Stéphane Le Foll est avec nous, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll, bonjour. Et de la forêt. Et de la forêt, oui. Oui, et de l'agroalimentaire. Et de l'agroalimentaire. Bah, tiens, on va peut-être en parler. Ouais. On va même sûrement en parler. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2 ans de présidence pour François Hollande, 2 ans demain. Vous allez fêter cet anniversaire? Non. Pas de fête, rien. Non, rien. On a 2 ans qui ont été marqués par des difficultés, beaucoup de décisions de prise, et aujourd'hui, des perspectives et un cadre pour les 3 ans qui viennent. Mmh. Voilà où nous en sommes, et personne n'est là pour faire la fête, personne n'est là pour faire autre chose que ce pourquoi il a une mission. Alors 2 ans d'échecs, de réussites, ou 2 ans mitigés, avec des échecs et quelques réussites et quelques échecs, dites-moi. 2 ans. Franchement. Franchement. Lucidement. 2 ans. Lucidement. 2 ans. Assainir une situation difficile. 2 ans avec des objectifs forts sur le chômage et un échec sur l'inversion de la courbe. Et 2 ans pour préparer une sortie solide de la crise. Voilà. Le retournement arrive. Oui. C'est ce qu'a confié hier le président de la République. Oui. Le retournement arrive. Pour l'instant, vous le voyez arriver, le retournement ? Je le sens. Vous le sentez ? Voilà. C'est-à-dire ? Ben, dans la responsabilité qui est la mienne, oui. J'ai rencontré des entreprises. Oui. J'ai constaté d'abord que le crédit d'impôt compétitivité emploi, oui. Partie qui consiste à assainir, mais à redonner surtout de la force aux entreprises. Dans l'industrie agroalimentaire, j'ai vu et je sais qu'il y a aujourd'hui des projets d'investissement à un niveau qui n'avait pas été connu depuis plusieurs années. Bon, alors, une fois qu'il y a ces projets, il faut les réaliser. Ils sont réalisés pour améliorer la productivité, pour faire des investissements peut-être en capacité, produire plus. Mais en tout cas, ils sont là. Donc, je sens qu'il y a un état d'esprit qui doit changer. Je trouve que depuis 2 ans, et à juste raison, quand on connaît la situation que l'on a trouvée, et surtout un point majeur, parce que souvent a été dit, on n'avait pas estimé suffisamment la crise et le niveau de la crise. Mm-hmm. Mais il y a un point... Vous le pensez d'ailleurs, ça. Oui, je le pense. Et très clairement, et je l'explique en plus. Je l'explique en particulier par la situation de la zone euro, qui a été sous-estimée de notre part. Mais de manière très claire, parce que quand on est arrivé, je me souviens de septembre, octobre, novembre, qu'est-ce qui a été dit ? Que la Grèce allait quitter la zone euro. Et je me rappelle même d'une candidate aujourd'hui aux européennes qui a annoncé l'éclatement de la zone euro. La Grèce d'abord, le Portugal, l'Espagne ensuite, l'Italie et la France allaient quitter la zone euro. Stabiliser cette zone pour avoir un socle sur lequel on puisse ensuite envisager à nouveau un peu plus de croissance, c'était un objectif qui a pris du temps, mais qui était un élément majeur de la sous-estimation que nous avons faite, de manière très claire, du niveau de la croissance potentielle. Bien. Méthode Coué, ce retournement. Méthode non. Coué ou pas ? Parce qu'il y a quand même eu, pardon Stéphane Le Foll, oui, allez-y. L'inversion de la courbe Je du suis chômage. Votre invité. Il y a eu l'inversion de la courbe du chômage. Puis le 14 juillet dernier, les propos du président de la République. La reprise est là. Mmh. La reprise, on l'attend. Mmh. L'inversion de la courbe du chômage... On ne l'a pas vu venir. J'ai dit ça. Hein ? Vous l'avez dit, sur les jeunes. Vous l'avez dit. Sauf sur les jeunes. Mais c'était déjà important. C'est bien bon de nous dire le retour de Marie. J'ai bien compris. Oui, oui. Mais je pense que là aussi, je peux essayer d'expliquer les choses. Allez, expliquez. 2012, 0,1% de croissance. Oui. Pratiquement zéro. Rien. Voilà. Et quand on se réfère à 2008-2013, c'est zéro. Oui. 2013, 0,3. L'Allemagne fait 0,4. L'Espagne et l'Italie sont en récession. Ils ont 1% de baisse de leur production. Plus d'1% d'ailleurs. Donc on a une zone euro qui est dans cette difficulté. Mais on fait 0,3. Les prévisions aujourd'hui, c'est 1% pour cette année. Et 1,7 pour l'année prochaine. C'est ce que dit le FMI. C'est ce que dit le FMI, c'est ce que nous disons nous, c'est ce que... Mais le vrai retournement, c'est quoi ? C'est 2,5% de croissance, c'est là qu'on crée des emplois. C'est un retournement, c'est là qu'on crée de l'emploi. On crée de l'emploi à partir de 1,5. Oui. Qu'est-ce que c'est que retourner quelque chose ? C'est regarder ce qu'il y a derrière. Oui. Derrière un discours
qui a été suffisamment porté sur la crise, sur les difficultés, quelquefois sous cette espèce de discours sur le déclin de la France, il faut changer et retourner l'état d'esprit. Oui. Il faut qu'on retrouve un état d'esprit avec plus de confiance. C'est ce qu'a souhaité le Premier ministre dans son discours de politique générale. Et je pense que c'est ce que souhaite le Président de la République quand il parle d'un retournement. Mais j'ai entendu, changer l'état d'esprit. J'ai entendu certains députés socialistes dire « Oui, ah, le retournement, c'est quoi ? C'est le gel des salaires des fonctionnaires, c'est le gel des retraites au-dessus de 1200 euros, c'est le gel de certaines prestations sociales, ce sont les baisses des cotisations accordées aux entreprises. C'est ça, le retournement ? » Le retournement de Manuel Valls et de François Alors, Hollande. Je vais prendre à l'envers. Oui. Premier élément, oui. Les entreprises. Oui. Il n'y aura pas de création de richesses, de capacité demain à redistribuer si la situation des entreprises continue à se dégrader. On a vu les faillites qu'il y a eu entre 2012 et avant d'ailleurs, au plus haut niveau historique en France. J'en connais les causes, puisque dans mon département aujourd'hui, il y a encore des fermetures. J'en ai parfaitement conscience. Si on n'améliore pas la situation des entreprises, on ne risque pas ni d'avoir de la production de richesses, ni d'avoir de la création d'emplois. On ne va pas jusqu'à baisser les salaires, comme dit Pierre Gattaz. Non, jamais il a été question de ça. C'est bien là. Qu'est-ce que vous lui répondez d'ailleurs quand il dit cela? Mais il parle toujours de la même chose. Baisser les salaires, jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? C'est quoi cette stratégie qui consisterait uniquement à ne parler que de la question du coût du travail, sans parler des innovations nécessaires, sans parler de l'investissement? C'est une manière patronale de parler que nous n'acceptons pas. Le SMIC existe en France et c'est pas à un moment où en Allemagne on le met en place qu'on va revenir sur cette question-là. Deuxième point, vous avez dit gel du point d'indice. Oui, du point d'indice. Du point d'indice. Oui. Ce qui est le point d'indice, ça s'applique à tous les salaires de la fonction publique. Vous oubliez de préciser que dans ce débat, on revalorise les catégories C et les catégories B. Ça a été fait. Lutte contre les inégalités. Oui. Choix du Premier ministre. Oui. Assumer pleinement les valeurs de la gauche, c'est ça aussi. Mettre en place une politique qui consiste à être sérieux, à réduire un déficit budgétaire sans remettre en cause l'équilibre social et en luttant en même temps contre les inégalités sociales. Bien, alors, pour résumer, est-ce que le président de la République a raté ses deux premières années de présidence? Non. Franchement, non, il ne les a pas ratées. Bien sûr que non. Non. Il a eu à prendre en charge... Oui. Une situation européenne et nationale de grandes difficultés, à prendre énormément de mesures. Je rappelle en particulier que pour ceux qui ont leur durée de cotisation, c'est 150 000 personnes qui peuvent partir. Pourquoi a-t-il perdu la confiance d'une grande partie? Parce qu'il y a un lien, notamment de ceux qui ont voté pour lui au second tour. Je l'ai dit hier. Oui, je l'ai dit hier. Il y a un lien qui a été perdu entre les Français en partie et le président de la République. Parce que le poids... C'est-à-dire cette confiance qui existait entre les Français et le président de la République... Oui, ce lien qu'il a su créer pendant la campagne. Eh bien, il y a eu un lien qui s'est en partie distendu, et je le comprends parfaitement, parce que le poids de ce qu'il y avait à décider et à mettre en œuvre pendant les deux premières années a été tel qu'on a fini par perdre cette capacité qu'avait eu François Hollande à avoir un discours qui a fait adhérer de nombreux Français. Eh bien, il faut le retrouver. Mais vous-même, si vous étiez sympathisant, même pas militant socialiste, vous auriez des doutes, sincèrement. Mais bien sûr, je comprends parfaitement. Et vous hésiteriez à revoter pour François Hollande, sincèrement. Mais j'aurais des doutes. Bien sûr que j'aurais des doutes. C'est jamais facile de prendre des décisions comme celles qui ont été prises. C'est jamais facile d'arriver à trouver cet équilibre entre la nécessité du soutien aux entreprises et la préservation d'un modèle social de manière générale, globale. C'est jamais facile de parler en disant on va prendre le temps du dialogue social entre les partenaires sociaux, patronat et syndicats. Et pourtant, c'est essentiel. Ça, c'est des socles qui vont être demain des atouts pour la France. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on peut se dire, mais tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça va pas assez vite. Et où va-t-on? Eh bien, l'enjeu, c'est de redire une chose simple. Parlons le mieux possible de la France de manière générale. Retrouvons de la confiance. Et ça permettra à notre grand pays de sortir de la situation difficile dans laquelle il est, en particulier avec les mesures qui ont été prises. J'en reviens à tout l'enjeu du pacte de responsabilité et de solidarité. Stéphane Le Foll, François Hollande est candidat en 2017.
Il ne sera en candidat, c'est lui qui l'a dit, hein, en 2017, que s'il a réussi à faire baisser le chômage. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Ça veut dire quoi? Faire baisser le chômage sur un mois, sur deux mois, sur un an? Là, on est très clair. On n'est plus, et d'ailleurs François Rebsamen l'a dit dans l'inversion de la courbe, on est dans une... Comment dirais-je? Dans une approche très simple, il y a un niveau de chômage, à un moment T donné, celui qu'on connaît aujourd'hui et qui a baissé pour les jeunes, il doit baisser de manière globale pour tout le monde. Voilà, baisser. C'est-à-dire sur 3 ans? Sur 3 ans. S'il baisse régulièrement sur 3 ans, le président de la République est candidat. Mais s'il ne baisse pas, il n'est pas candidat. La question de l'élection de 2017. Non, mais c'est pas moi, c'est lui. Je comprends une chose dans le message. Oui. C'est qu'à un moment, on pouvait discuter de plein de sujets. Oui. Il a voulu rappeler qu'il y avait un enjeu majeur pour lui, c'était le chômage. Et que de toute façon, et c'est la vérité, si il n'y avait aucun résultat sur le front du chômage, on ne se présente pas. Personne ne pourrait imaginer d'ailleurs qu'il y ait quelques conditions pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. S'il se présente, faut-il organiser des primaires? C'est ce que pensait Julien Drey, même. Mais il y a toujours des gens qui anticipent sur tout, et qui sont déjà en train de parler de 2017. Moi, je suis en 2014, début 2014, et je cherche à faire en sorte que ce pays, mon pays, se redresse. Alors, il y a une curiosité aujourd'hui dans la vie politique française, c'est que le président de la République est au plus bas dans toutes les enquêtes d'opinion. Manuel Valls, lui, est à 50% après un mois de fonction de Premier ministre. Mais pourtant, Manuel Valls applique la politique de François Hollande et la politique même de Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'il n'y a pas une curiosité, Manuel Valls, là déjà, quelle est cette curiosité? Elle est là depuis le début. Je vous rappellerai que pendant le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls était le ministre le plus populaire quel du que gouvernement soit les résultats, Jean-Marc Ayrault. Quels que soient les résultats, comment se fait-il? Quels que soient les résultats, il a une popularité qu'il met au service... C'est quoi? C'est subjectif, ...du gouvernement de Jean-Marc Ayrault quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il met au service du gouvernement tout entier et de la France. C'est subjectif, maintenant, ça, c'est subjectif Les codes de popularité sont des choses qui se mesurent dans l'opinion de manière générale. Mais est-ce tenable un président de la République à 18% ou 20% ou 22% d'opinion favorable et un Premier ministre à 50%? Un Premier ministre qui est populaire et qui est en capacité de mener la politique et les grands choix qui sont faits par le président de la République, c'est un atout. On ne va pas s'en plaindre. Bruno Le Roux disait hier, il faut que le président de la République reçoive les députés de la majorité. Va-t-il les recevoir? C'est une demande du président du groupe. Oui. Je pense qu'il y a là une demande qui consiste à dire on a besoin d'avoir un contact avec le président de la République. D'autant que beaucoup des députés qui ont été élus en 2012 sont des nouveaux députés. Vous pensez que le président de la République doit les recevoir? Il donnera sa réponse. Mais j'ai bien compris. Non, mais d'accord. Oui, mais... non, mais c'est pas moi qui vais donner la réponse à la place du président de la République. D'accord, d'accord. Mais j'ai bien entendu et parfaitement compris la demande du président du groupe socialiste. Pourtant, moi, président... je ne recevrai pas les parlementaires à l'Élysée. Voilà. Donc ailleurs, ça, c'est possible. Bon, d'accord. D'ailleurs, j'ai vu sur BFM, il y avait beaucoup de mois président. On pourra en discuter, hein, par rapport à tout ce qui a été pour dit. Les mois président. Oui. C'est-à-dire Je trouve que, sur le fond, et fait l'exégèse de cette anaphore et en vérifiant tout ce qui a été fait ou pas fait, regardons, il y a quand même énormément de choses, et si tout n'est pas fait... des choses qui avaient été dites à ce moment-là, qui sont mises en œuvre. Le PS... Tiens, vous voulez qu'on regarde, d'ailleurs? Oui, allez-y. Allez, moi, président, attendez, parce que je dois les avoir. Allez-y, allez-y. Je les cherche. Moi, président, j'aurai à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Ça. Je le ferai réformer. Voilà. Je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, d'accord? C'est fait. Code de déontologie pour les ministres. C'est fait. J'ai signé. Oui, mais après, il y a deux... Alors, il y a des ministres qui ont triché. Ah oui, mais non, mais attendez. Oui. Monsieur Bourdin, on est cher. Je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire et lui reprocher aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai encore? Il a baissé son revenu, toutes les indemnités des ministres, du président de la République. Le niveau des dépenses à l'Élysée a été réduit de manière extrêmement significative. J'engagerai de grands débats, moi, président, j'engagerai de grands débats. On attend quand même le débat sur sur l'énergie et... Oui, il a déjà eu lieu, il y a eu des grands débats. Sur l'écologie, sur l'environnement. Oui, il va avoir lieu. Il y a eu toute la conférence sociale. Quand, d'ailleurs? Mais c'est au mois de septembre, là. C'est juste septembre, après l'été. Oui, c'est après l'été, alors. C'est après l'été. Avant l'été. Non, non, non. Ça après l'été. Présentation des grandes lignes avant l'été et débat, débat après l'été. Bon, enfin, on ne va pas continuer là-dessus. Si, mais on peut. On peut, vous pouvez, moi non. Valls a 60% d'opinion favorable, donc 50-60%. C'est un atout. Manuel Valls, c'est un atout. C'est un atout.
Bon. Dites-moi, Manuel Valls, qui n'est pas du tout d'accord avec ce que l'Assemblée nationale pourrait voter à propos des gardes à vue. Vous avez vu ça? Il y a un amendement, oui. Oui, un amendement qui a été voté... Le gouvernement n'y est pas favorable. Qui a été voté par en commission. Oui. Sur les gardes à vue et sur l'accès de l'avocat au dossier oui. dès le début sujet de la garde à vue. On connaît bien. Oui. Et là, il y a une position qui a été exprimée par oui. le gouvernement oui. et son Premier ministre. Pas oui. favorable à cet amendement. Et le gouvernement va s'y opposer lors du vote? Il s'y est déjà opposé. Et je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours. Il continuera. Je crois que la position du gouvernement Donc, est claire sur ce le sujet. Le gouvernement va s'opposer au vote, donner des consignes pour que ça... Des consignes. Des consignes aux députés. Qui ont déjà été données. Oui, c'est bien de le répéter. Vous me rappelez une position du gouvernement, je vous la rappelle, elle est claire. Bon, donc elle est claire, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Vous ferez en sorte que cet amendement ne soit pas voté. Oui, mais après, les députés, vous connaissez. Bah, évidemment, je connais. L'Europe, la moitié des Français perçoit mal l'Europe. Je regardais là aussi un sondage, 49% négatif, 45% une vision positive de l'Europe. 60% des Français sont contre une sortie de la France de l'euro et de l'Union européenne. 58% pensent que l'Europe est une contrainte économique. J'ai vu que le député socialiste responsable des élections craignait une rude défaite du PS pour ces élections européennes. Effectivement, électoralement, ce qui s'est passé au municipal n'est pas la plus facile. Oui. Deuxièmement, le sentiment sur l'Europe et la défiance qui existe par rapport à cette Europe ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, vous savez, j'ai mené cette campagne du oui et du non, je me souviens très bien. Oui. Il y a à la fois, et on le sent bien, et on le voit bien plutôt dans ce sondage, l'ambiguïté qui consiste à dire la sortie de l'Europe pour les Français dans une large majorité n'est pas envisagée. Oui. Ils considèrent que ce serait une erreur. Mais en même temps, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait que l'Europe change aussi globalement de politique, d'appréhension des problèmes. Mais ça aussi, c'est une promesse de François Hollande. Oui, mais je disais tout à l'heure dans quelle situation on est arrivé sur la question européenne. Il y avait à l'époque la sortie de la Grèce de l'euro. Posé, clairement, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On disait même que la France s'est touchée. On était dans une situation d'instabilité totale. Instabilité totale. Ce moment-là est passé. Et c'est encore fragile, mais c'est passé. Et il l'avait d'ailleurs rappelé le président de la République. Maintenant, il faut bâtir autre chose. Les Européennes, à ce titre, sont à un moment où on doit faire un choix. Et cette fois-ci, ce n'est pas uniquement des députés, je le dis au passage, c'est aussi la possibilité, contrairement à ce que j'ai lu, de choisir un président pour la Commission européenne. Si aujourd'hui, on fait le constat, la droite, largement majoritaire au Parlement, avait une commission largement à son image, et c'est normal, et un président de la Commission qui était M. Barroso. Si on veut changer de politique, il faut être capable de changer ceux qui sont à la tête de l'Europe. L'occasion est donnée au niveau des Européennes. Et je vais juste envoyer ce message. Si vous voulez faire plus d'harmonisation sociale en Europe, à qui faut-il faire confiance? À l'ancien Premier ministre du Luxembourg, M. Juncker, leader du PPE, ou à Martin Schulz, SPD, allemand, qui a été un des artisans du SMIC en Allemagne? Je pose cette question, la réponse me semble évidente. J'ai encore deux questions à vous poser sur le plan institutionnel. La proportionnelle, c'était une promesse de François Hollande, 2017. Mais de toute façon, on ne peut pas s'appliquer avant. Oui, donc discussion, c'est une dose proportionnelle. C'était dans le projet. Oui. 2017. Oui. Discussion qui... projet, discussion, il y a beaucoup de choses à faire. Et avant de parler système électoral, réformons d'abord l'ensemble des dispositions et des dispositifs. Mais je parle en particulier de la question de l'aménagement de la décentralisation. Il y a déjà encore un grand sujet. Pourquoi attendre 2021 d'ailleurs? Pourquoi attendre 2021 pour pouvoir discuter? Vous pourriez aller plus vite? On pourrait aller plus vite, ça dépendra de la discussion qui s'engagera avec les élus. Vous souhaitez qu'on aille plus vite sur cette réforme? Je souhaite qu'on aille plus vite pour une bonne et simple raison. Avant 2021. Plus les choses sont claires, plus ça permettra aux collectivités locales de pouvoir s'inscrire et de se projeter dans l'avenir. Et les élections de l'année prochaine,
Est-ce qu'elles seraient retardées à 2016, les régionales? Non, je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Parce que je vois que tout le monde s'exprime. Il y a ici beaucoup de gens là, qui se sont exprimés. Vous avez vu, à gauche notamment. Ouais, à gauche notamment. À gauche notamment, ouais. Vous y êtes favorable ou pas? Moi, je n'ai pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis? Si, je n'ai pas d'avis. Si, vous avez un avis. Je n'ai pas d'avis à donner. Vous avez un avis. Vous n'avez pas à donner. Moi, j'ai un avis personnel. Et lequel? Mais je ne le dirai pas. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis porte-parole du gouvernement. Ah bon? Ça vous empêche de parler? Ça m'empêche pas de parler. Ça m'empêche de dire de des dire, choses de, sur des sujets de précis dire ce que qui vous ne pensez, sont pas, alors, qui ne sont pas réglés. Et deuxièmement, ça m'empêche pas de parler. La preuve, on a passé suffisamment de temps ensemble. Il est 56, vous avez raison, c'est l'heure. 8h56, merci d'être avec nous. Merci. BFM TV, RMC, Stéphane Le Foll.